Calme. On a la chance d'être, situé d'une façon à ne pas trop déranger le voisinage. Et puis donc le local il est en sous-sol semi-enterré, donc c'est pas trop humide. Donc voilà, c'est des conditions assez favorables pour répéter. On a monté aussi un certain nombre de morceaux que je chante. Donc là, lorsque je fais du chant, en général c'est chant-guitare. Et donc Jamo qui prend le relais à la basse. De toute façon, dans Fataya, ça a toujours été comme ça. Il y a plusieurs chanteurs et donc il y a une rotation sur les instruments. Ça fait à peu près un an et demi qu'on a démarré la collaboration. On a travaillé ensemble sur un album où j'intervenais en ingénieur du son. Et puis, suite au départ de l'un de leurs musiciens pour cause d'études, ils avaient besoin d'une personne pour faire le relais, donc j'étais favorable à faire le relais. C'est comme ça qu'on est venu à travailler ensemble. C'est en fait un reggae, je dirais, assez ouvert, à plusieurs influences. Donc c'est un reggae ouvert aux influences déjà un petit peu de ce qu'on a qualifié de world music. Donc en fait ouvert à des styles, je dirais, latino-américains, afro-cubains. Aussi des influences. Là, on a travaillé tout à l'heure un morceau avec une petite couleur presque de tango à un moment. Donc voilà, c'est un reggae qui est ouvert en fait aux autres musiques. Et puis il y a aussi des influences africaines aussi sur un certain nombre de morceaux dans le répertoire. Je suis le mouvement, puisque je réunis. Non, je suis le mouvement. Et puis bon, c'est vrai qu'on a un décalage de génération, on a une génération d'écart. Mais bon, voilà, la musique, c'est bien la preuve que ça conserve quelque part. Et bon, ça me permet de passer de très très bons moments avec cette équipe, même si elle est plus jeune. Et voilà, donc je suis le mouvement. Justement, moi, ce qui m'a séduit chez Fataya, c'était justement leur maturité par rapport à la moyenne d'âge du groupe, qui était vraiment, je trouvais, très jeune. J'étais impressionné en fait par la maturité, et c'est ce qui m'a donné envie en fait d'accepter l'offre de collaboration. À la base, moi j'ai appris la musique à l'école de musique, à Semur en Auxois. Là-bas j'ai appris à jouer du violon au début. Bon, j'ai joué pendant 6 ou 7 ans du violon. Et puis après c'est petit à petit quoi, à l'école de musique on joue souvent du piano juste pour avoir des notions. Et petit à petit j'ai eu l'envie de jouer de cet instrument-là aussi quoi, en fait. C'est une amitié qui nous réunit tous. Oui. Et après en plus il y a la musique derrière quoi, qui nous lie. Au travers de cette amitié, quoi, c'est ça, quoi. Mm-hmm. C'est avant tout une grande famille, quoi, en fait. Que ça soit Fataya ou l'association Raspatakouet, c'est une famille d'amis qui est là, quoi, une trentaine de personnes qui font que. C'est une famille de musique, mais c'est aussi une famille au sens famille du terme. Je sais, c'est mon petit frère qui joue du saxophone. Martin et Étienne sont frangins aussi. On a répété pendant longtemps chez le papa de Joseph. Donc ouais, c'est vraiment grâce à la famille en fait que notre musique prend forme, j'ai l'impression. Bon, on continue notre petit bout de route. Je pense que petit à petit, quoi, les choses se font. Après, au fil du temps, au fil des connexions avec les gens,
on est amené à en rencontrer d'autres, quoi. C'est ça, en fait, qui nous fait avancer le plus. J'ai pris des cours, peut-être j'ai commencé à vers 12 ans. J'en ai pris, j'ai fait des cours pendant 5 ans, mais alors entre temps, je jouais quand même avec Fataya. J'ai arrêté au bout de mon premier cycle de batterie. Après, je suis parti à Lyon 2 ans pour les études. Je suis revenu, et donc au total, que je joue, ça, ouais, 7 ans, oui, ouais, je crois, 7 ans. C'était pas l'effectif là initial, mais ouais, tout à fait, bah, ça m'a permis à côté des cours justement d'évoluer dans un milieu d'un collectif. Donc c'est on apprend beaucoup par la musique. Bah, on apprend beaucoup, ouais, tout simplement. Ouais. J'ai commencé, alors pareil, école de musique de Smirnoussois. Je sais pas, je devais avoir 10-11 ans. J'ai pris 8 ans de cours et puis depuis, je suis dans Fataya et ça me permet de continuer à jouer pas mal et tout. C'est vrai que entre l'école de musique de Smur et l'école de Saint-Bernon, ça a formé les trois quarts des membres du groupe. Quoi. Parce que ouais, vous trois, quatre à Saint-Bernon, deux à Smur et Marie à Dijon. Bah officiel, plus pour longtemps en fait. Mais j'étais le bassiste avant, ouais, depuis la création du groupe. Mmh. Et puis bah là, bah, je suis parti au Canada depuis janvier. Donc là, c'est une formation différente qui commence à se construire, quoi, en gros. Je fais de l'informatique, en fait. Et donc bah là, je vais repartir aussi sur Bordeaux. Donc du coup, ouais, c'est moi qui ai fait le site, tiens. Bonne idée. On m'a assigné à toutes les tâches un peu d'informatique dans Fataya. On a un forum qui permet de coordonner l'action qu'on fait sur l'association Raspatakwet. Donc c'est pratique pour organiser des événements, des choses comme ça, puis aussi pour prévoir les répètes des uns et des autres, quoi. Puis d'avoir du feedback un peu du public, en fait, d'avoir une petite relation avec le public. Moi c'est François. J'ai rien à dire, moi, en fait, je suis juste là pour prendre des enregistrements et après je vais en faire des dubs en fait pour le sound system. Quel point de dub, c'est juste les parties instrumentales sans chant, ouais, avec plein d'effets partout. Et surtout une grosse présence de la basse et de la batterie. Et ça, on joue ça avec le sound system, le Kiraden sound system, donc qui fait partie aussi de l'association Raspatakwet. Donc c'est en fait on a un système d'enceinte où on est indépendant au niveau du son et donc on fait des soirées reggae dub comme ça, donc un peu aussi quand on a l'occasion avec les contacts qu'on a, etc. Guitare rythmique principalement, et puis sinon alors j'ai passé un peu partout par percu, trompette, flûte. On était trois à composer à la base, donc Joseph, Jonathan qui est là, et moi-même à la base. Voilà, on a commencé en 2003-2004. Ensuite on a repris des compositions d'Yao, et puis là il y a des compositions de Pedro qui arrivent, peut-être des compositions de Didier aussi. Donc il y a une reprise qu'on a fait, c'est de Nabuhiro Suzuki, un japonais, qui a produit un dub. On l'a écouté sur en vinyle et sur le net, et on l'a écrit un mail grâce à Jacques de Kingston Connection. D'ailleurs, big up, ouais, Kingston Connection, mais... le label reggae à Dijon, ouais. Big up, Jacques, regardez bien tout ce qu'il fait, quoi. Il represse plein de bons vieux vinyles reggae, quoi. Il entretient une flamme au niveau du reggae à Dijon, quoi. Big up. Big up à lui.
Germain, donc on n'avait pas du tout les mêmes niveaux en musique quand on a commencé. Et c'est vraiment une musique de groupe en fait, donc ça permet que tout le monde trouve sa place au niveau technique aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on est venu au reggae. On a tenté pas mal de styles avant, et la musique en groupe prend tout son sens sur le reggae, parce qu'il y a le groove, voilà, donc c'est vraiment une musique collective quoi, avant tout. Donc. Au niveau technique, même s'il y avait des écarts, tout le monde a pu trouver sa place dans ce style-là. On répète deux fois par mois, mais c'est des grosses répètes, on répète toujours un week-end entier en fait. C'est tout à fait une aventure parce que bon, évidemment dans des villes comme Dijon, il y a une scène reggae, on n'est pas les seuls. Il y a différents groupes, mais nous, oui, ça nous tenait à cœur depuis pas mal d'années qu'on fait ça. C'est toujours un défi de tous les jours parce que les gens, il y a pas mal de gens qui découvrent, puis il y en a d'autres qui attendent ça justement, qui viennent voir les concerts pour ça, pour le reggae. Donc au début de Fataya, évidemment, ça, c'est toujours ça aujourd'hui, c'est le plaisir de pouvoir faire du son, de pouvoir faire notre musique un peu partout. Au début, on jouait sans condition, il y a quelques années, quand on était jeunes, sans condition, n'importe où. Maintenant qu'on est structuré, qu'on a une association, qu'on a pas mal de gens et de choses et de matériel à gérer, maintenant on se déplace, on est toujours défrayé, on est payé la plupart du temps. On se déplace dans des événements qui sont organisés, on sait où on va, on débarque pas comme ça juste n'importe où pour jouer. Maintenant c'est un peu mieux structuré qu'il y a quelques années. C'est un ensemble de choses, et avant tout je pense que quand on y vient c'est déjà parce qu'on aime la musique en elle-même quoi. Le style reggae c'est un truc particulier, et c'est comme ça que beaucoup de gens je pense sont sensibilisés déjà au reggae, ensuite à la culture jamaïcaine en général, au rastafarisme, enfin à tout ce qui en découle.